Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Business et spiritualité. Accepter de mourir pour changer un sujet que j'ai envie de parler avec toi, d'échanger avec toi sur ce sujet-là. Mm-hmm. Comment est-ce que tu vas, mon Polo, aujourd'hui? Eh bien écoute, de mieux en mieux. Oui. En tout cas, je suis toujours autant stimulé par notre projet. Et puis, j'aime bien cette thématique aujourd'hui, là, cette idée de mourir pour changer. Voilà. Alors, c'est vraiment quelque chose que j'avais envie d'aborder avec toi. Mm-hmm. Pour te parler un petit peu de mon expérience, j'ai eu des périodes de gros changements dans ma vie et j'ai eu l'impression donc, d'évoluer des fois de façon assez intense. Et du coup, des fois, j'avais l'impression d'être un peu perdu dans mes choix, dans ma vie, dans ma personnalité. Et j'avais vraiment ce sentiment-là qu'il y avait des parties de moi qui disparaissaient, qui mouraient. Mmh. Et ça peut être chamboulant. Je voulais savoir toi, ton ressenti par rapport à ça et ton vécu. Et comment tu as vécu ça et qu'est-ce que tu as mis en place pour pouvoir justement être bien avec ça et les mécanismes en fait, de changement par rapport à la mort de quelque chose, une partie de toi qui est peut-être partie, qui a changé. Ouais. Alors, moi... C'est un sujet qui est assez important parce que moi, j'ai une relation à la mort. Très jeune, j'ai perdu des proches. Donc la notion de mourir, de détachement, etc., c'est quelque chose auquel j'ai été confronté très tôt, à la fois par le décès de ma maman et ensuite d'un frère qui est décédé aussi, et puis des proches. Donc la notion de séparation d'une chose pour aller vers autre chose, c'est quelque chose qui me parle profondément. Dans la partie business, on est tous dans des cycles, en fait. Et c'est important de comprendre que on fonctionne comme la nature. L'été, on a des fruits, c'est chaud, c'est très ouvert, ça produit, l'environnement est avec nous. Après, on a cette phase d'automne dans laquelle les feuilles tombent, l'énergie tombe. Et c'est là que, très souvent, on a besoin d'apprendre à lâcher des choses. Alors, parfois, on les laisse par habitude se poser. C'est-à-dire que ce qu'on lâche, c'est un peu nos projets, nos objectifs. Et on se laisse porter un peu par la nature même de nos habitudes. Et puis, à un moment donné... Eh bien, ces habitudes, elles sont quand même confortables, même si elles génèrent de l'inconfort immédiat. C'est-à-dire que ben voilà, j'ai l'habitude d'être dans des grosses entreprises, ça a été mon cas à un moment donné, où il a fallu que j'accepte pour donner plus de place à ce qui animait mon âme à l'époque, qui était d'investir davantage sur des séminaires grand public. Donc, tu as laissé mourir cette partie. Et donc, il a fallu que j'accepte de laisser mourir quand même quelque chose qui était assez important, parce que j'avais des journées plutôt bien rémunérées à l'époque. On me donnait 8000 francs la journée pour des séminaires entreprises. Donc, c'était des gros chantiers. Et accepter de laisser mourir ces choses-là pour laisser renaître quelque chose qui n'est pas encore construit, bah, c'est un processus qui n'est pas forcément facile. On le voit dans les processus de transformation, de changement, d'habitude, de pensée, même de valeur parfois, de lâcher en fait ce qui est confortable pour aller vers de l'inconfortable au départ. On dit que la discipline, c'est accepter de faire des choses qui sont sur le coup inconfortables pour un bénéfice évidemment plus élevé. Alors, je me permets de te couper par rapport à ça. C'est pour moi passionnant parce que je pense qu'il y a plein de gens qui ressentent ça, qui se disent qu'il y a quelque chose qui les anime plus, mais qui n'arrivent pas à laisser mourir cette partie-là. Voilà. Alors toi, c'est quoi les ressources que tu as trouvées pour arriver à le faire en fait? Parce qu'il y a une partie de courage et de passage à l'action aussi par rapport à ça. Toi, comment tu as fait ça en fait? Alors, dans les dynamiques de changement, pour avoir pas mal étudié le fonctionnement humain et pour assister des phases de transformation assez fréquemment, il y a des vecteurs qui, quand on les connecte, en fait, des éléments qui, quand on les connecte, va enclencher du changement, va faire qu'on accepte de lâcher une chose pour une autre chose. Pour te donner une idée, et pour ceux qui nous écoutent, ça peut peut-être beaucoup les éclairer, c'est le phénomène que l'on peut avoir parce qu'on est installé dans un appartement, et pour l'instant, on y est relativement bien. On s'est installé, quelle que soit la taille, la chose, voilà, on est neurophysiologiquement habitué à notre... et plutôt confortable, en fait. Donc, même l'idée de changer, d'avoir quelque chose de plus grand ou de mieux placé ou dans un autre contexte. Pourquoi changer alors qu'on est bien? Oui, au début, c'est pourquoi changer alors qu'on est bien. Puis au bout d'un moment, on se dit, bon, j'aimerais bien finalement peut-être avoir quelque chose de plus grand, de plus adapté à certaines choses qui me conviendraient aujourd'hui, etc. Et donc, je commence à y penser. Et on voit qu'au départ, bah, c'est beaucoup plus confortable en fait, de rester là où on est que de faire un déménagement et d'entraîner tout ce que l'on connaît qui peut être compliqué parfois. Et puis, il va se passer un truc à un moment donné, c'est que, un peu à l'affût d'opportunités, on va finir par trouver un truc qui va vraiment nous plaire et on ne sait pas ce qui se passe, mais on y va, on va voir. Et là, quand on est dans les nouveaux lieux,
il se passe un truc, c'est non seulement on les voit, mais on vit quelque chose qui est puissant à l'intérieur. Ouais. Et là, ça c'est très intéressant parce qu'on va s'apercevoir que sur le plan neurophysiologique, du coup, la partie de nous qui est à l'intérieur, celle qui mobilise énormément nos comportements, a tout d'un coup eu un flash de bonheur et de plaisir très intense, en tout cas plus intense, au fait d'aller vers de la nouveauté. Et du coup, c'est un peu comme tout d'un coup, j'ai vu le sommet là-haut, je me dis, waouh, j'aimerais bien un jour voir la Terre de là-haut, quoi, en quelque sorte. Qu'est-ce qui fait ça, en fait ? Eh ben, c'est que je crois qu'il y a à la fois une vision, oui, c'est ça, très précise d'une situation, et en même temps, il y a une aspiration forte qui a été associée. Nous, on sait, en termes d'accompagnement, que la vision associée à un système de valeurs déclenche de l'énergie qui me met en mission et qui fait que, du coup, eh bien, je suis en recherche d'options, de solutions pour que ça avance. Et c'est ça, en fait, la motivation. C'est ce croisement, ouais, de ces, pour moi, ces deux paramètres fondamentaux qui sont les valeurs, ce qui est important à mes yeux, et l'objectif. Donc, je peux être sur mon canapé en me disant, ça serait bien que j'aille courir, mais c'est plus confortable de rester pour le moment sur le canapé, surtout qu'il pleut dehors. Je me dis, bon, allez, je pourrais y aller demain. Et, si on et là, il faut que je négocie avec mon cerveau, en fait. Si on met en lumière ça, ça sera beaucoup plus puissant parce que quand on change aussi, il y a des peurs. Et quand on met vraiment en lumière ces valeurs-là et cette vision-là, c'est plus fort que la peur, en fait. Ça, oui. Donc, on n'est pas paralysé par les peurs qu'on peut avoir, oui, en fait. Parce qu'il y a une vision qui est plus stimulante. Et donc, du coup, ça va provoquer chez moi cette énergie qui va faire que je vais donner de moi-même. Et d'autant plus, même s'il y a des peurs, je vais quand même y aller. Tu vois ? Comment on rend une vision puissante ? Alors, et je vais faire le lien avec l'idée de mourir, oui, c'est d'abord d'accepter de laisser mourir le confort d'un état présent. Je pense que dans le processus d'évolution, dans cette notion d'accepter de mourir, c'est accepter de lâcher le lien pour un bénéfice plus élevé, mais qui n'est pas encore connu. Est-ce qu'on peut évoluer sans inconfort ? Alors, c'est possible d'évoluer sans... Parce que tout d'un coup, j'ai une opportunité qui arrive, je n'attendais pas, l'occasion se présente, tout de suite, je suis stimulé par la nouveauté, et du coup, je n'ai même plus envie de revenir dans l'ancien système, parce que ça va très vite, le changement. Mais tant que je ne connais pas la nouveauté, c'est compliqué. C'est un peu comme une relation, même si on n'est pas complètement bien dedans, elle est difficile à lâcher, jusqu'au jour où, effectivement, quand je me serai rendu compte du bénéfice que je vais avoir, mais qui au début est d'abord quelque chose d'inconfortable, du bénéfice que je vais avoir à changer, à évoluer. Alors après, quand je vais me retourner, je vais me dire « Waouh, j'ai bien fait de changer ». Mais sur le coup, je n'avais pas cette perception. Ou si je l'avais, je l'avais mentalement, je ne l'avais pas forcément dans mon cœur. Et plus on le fait ça, plus on a déjà expérimenté ça, plus on arrive à le faire de façon naturelle, en fait. Absolument. Je pense que... c'est comme l'habitude, si vous allez régulièrement en montagne, ben vous avez l'habitude de regarder en l'air et de vous dire waouh, ouais, c'est possible de monter là-haut. Ouais. Et jusqu'où ça va le changement ? On s'arrête quand ? Ben, je pense est-ce qu'on s'arrête ? Est-ce que c'est le changement, c'est permanent. Je pense qu'il y a deux choses qui ne s'arrêteront jamais, c'est le changement. Ouais. Est-ce qu'on peut régresser ? Ah ben, on évolue et. Ah ben, bien sûr, on peut monter et descendre. Ouais. On peut aller jusqu'au suicide, hein. Donc c'est vraiment de la régression, c'est-à-dire c'est de la destruction en fait. On peut co-construire ensemble et on peut à un moment donné, pour des tas de raisons, arrêter de co-construire ensemble, ce qui veut dire qu'on n'aura plus d'intention intérieure, c'est-à-dire de valeur à nourrir dans un projet commun. Et du coup, nos modalités de fonctionnement vont changer, tout simplement. Et qu'est-ce qui fait que, justement, qu'il y a des gens, par exemple, on sent qu'il y a des gens qui sont plus stables, entre guillemets, émotionnellement ou dans leur vie, et il y en a d'autres qui, c'est des ascenseurs émotionnels, ils vont très bien, très mal. Oui. Qu'est-ce qui fait que... Et est-ce qu'il faut chercher peut-être cette stabilité-là plus que ça ? Alors, d'abord, il y a des personnalités. On n'est pas tous logés à la même enseigne. Il y a des gens qui sont grands, d'autres qui sont petits, d'autres qui sont... robustes, qui sont un peu plus fragiles. Donc, dans les émotions, c'est pareil. Il y a des gens qui sont très fluctuants, d'autres qui sont un peu plus stables. Après, ce qui est intéressant, c'est que c'est comme son corps. On peut le changer si on le travaille. Son esprit, on peut le changer si on le travaille. Son facteur émotionnel, on peut le changer. Soit pour aller vers des polarités plus importantes, parce qu'on décide de rentrer un peu plus dans le monde émotionnel, l'exprimer davantage. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, en fait. C'est pas forcément si on est non. stable. Après, la question, c'est... Est-ce que ce que je vis est en phase avec ce à quoi j'aspire ? Et de temps en temps, il faut savoir aussi une chose, c'est que notre système nerveux, il adore ce qu'il connaît. Et donc, c'est important de temps en temps de sortir un petit peu de ça et d'accepter de laisser mourir, encore une fois, ce confort pour aller chercher ce qui, au départ, est un inconfort.
Et c'est très important de comprendre que la discipline, ce qui va nous permettre de grandir, encore une fois, c'est d'accepter de faire tout de suite des choses qui sont inconfortables pour gagner en confort plus grand. Et quand on se laisse aller, on va faire des choses qui sont plus confortables immédiatement, mais qui à moyen terme et long terme vont en général nous desservir. Voilà. Et ça, ça va être principalement animé par des vides intérieurs. C'est pour ça que entre le fait d'être down ou au contraire de remonter vers le haut, ben, ça ne va pas du tout entraîner les mêmes comportements. Voilà, donc je pense que pour clôturer sur cette dimension de mourir, laisser mourir, c'est d'accepter de lâcher le confort du connu pour s'ouvrir probablement au bonheur de l'inconnu. Qui peut arriver juste derrière en fait. Oui. Excellent, je te remercie. Belle conclusion, mon Polo. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si jamais vous voulez liker et partager, n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo Business et Spiritualité avec mon ami Polo. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.